tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un... Yeah. Coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. Et les petits copains? Oui, je crois que ça va bien. Alors aujourd'hui, nous allons... Mais qu'est-ce que tu m'as demandé? Qu'est-ce que je veux? Bam, ça vaut. Bam, c'est ça. Alors merci, oui, pour moi. C'est la tête. Alors aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle... Carte credo. Non, si, c'est des cartes de naissance. C'est moi qui lui ai Noël. Oui, c'est aussi elle qui l'avait commandé à Noël l'année dernière. Alors bah tiens, bah, dites-moi les petits copains si vous l'avez commandé à Noël aussi, mais c'est un jeu trop rigolo. Et si vous avez aussi... Une douche. Si vous n'avez pas commandé à Noël, ce jeu est vous l'avez. Ah, si vous avez déjà ce jeu et que vous ne l'avez pas forcément commandé à Noël, mais si vous l'avez déjà, je traduis. Oui, oui, ah, mais merci, si vous avez acheté ce jeu. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons jouer à Carlo Crado. Alors, quel est Carlo Crado pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, c'est un jeu d'un... Oula, attention, tu risques de casser la table. Alors, c'est un jeu... c'est un bonhomme, voilà, à qui on doit sortir les crottes de nez. De son nez, parce qu'il est très enrhumé. Ouais, bah, d'accord. Voilà, donc c'est un jeu, hop, qui est fait par Goliath. Donc voilà la boîte, ça n'aurait pas de non, mais garde-le. Non, Goliath. C'est à partir de 3 ans. Et c'est un jeu qui est à partir de 4 ans. Bon, ça, vous pouvez jouer parce que c'est super simple, vous verrez, super facile à jouer. Et à 4 ans ou plus. Oui, 4 ans ou plus, c'est marqué sur la boîte. On peut jouer à partir de 2. On peut jouer à partir de 2 joueurs, donc c'est super. Voilà pour ça, alors on met la boîte de côté. Ensuite, alors dedans la boîte, il y a quoi? Bah, il y a une règle, c'est super simple. Voilà, donc on pose la règle. Ensuite, nous avons une tête. Et à l'intérieur du nez, qui n'a rien à l'intérieur, il va falloir mettre des crottes de nez. Alors, il y a des crottes de nez. Hé, j'en ai besoin pour me doucher. T'as besoin de faire ton shampoing crottes de nez? Elle donne-moi une crotte de nez. Voilà, donc on a des crottes de nez normales. Ça va pas, tu m'as dit. Et des crottes de nez comme ça, avec un petit. Aïe, un petit truc. On doit accrocher. Une crotte de nez, mais avec un trou. Le système est simple, donc nous avons mis la crotte de nez à l'intérieur. Non, c'est moi. Hop, on referme tout. Et bien sûr, quand on tire dessus, ben, le cerveau, il sort de la tête. Donc le but du jeu, c'est de ne pas faire sortir le cerveau de la tête. Donc là, on prépare Carlo Crado. Donc on remet son cerveau. On ouvre la trappe, on repousse les yeux, on met la trappe, hop, on prend les crottes de nez. Allez, Corentin, mets toutes les crottes de nez à l'intérieur, vas-y, vas-y. Voilà. Donc on met toutes ces crottes de nez, bon, il en perd déjà, voilà, pauvre Carlo Crado. Parce qu'il... Voilà, hop, on referme le nez et Carlo Crado est prêt. Alors maintenant, pour jouer, c'est simple, hop, Alors, déjà, on va commencer par celui qui est le plus petit, mais c'est simple. Alors, nous avons un dé. Dessus, il y a le chiffre 1, on tire une crotte de nez. 2, on tire 2 crottes de nez. Nous avons changement de sens et interdiction de jouer. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas faire sortir le cerveau, sinon on est éliminé. Et aussi, plus de crottes de nez. Ouais, non, là, on va faire version éliminée. Merci. Donc, on y va. Alors, tu commences. En fait... Roséane commence, donc combien tu fais? Quoi? Elle joue pas, voilà. Ok, Corentin, maintenant, hop, à toi. J'ai des chances. Ah non, tu me lances le dé, il commence à tricher déjà. Vas-y, lance-le là pour voir un peu. Un, donc tu tires une crotte de nez, vas-y. Ouais, ça fait pareil que tout à l'heure. Hein. D'accord. Oui, ça fait un aussi. Maman aussi, elle a un, voilà, donc je tire une crotte de nez. Elle va pas sortir. Ah voilà, ah Océane, vas-y. J'avais vu que c'était mauvaise. Oh, il est parti loin. Et puis Océane, on ne joue pas. Donc elle a de la chance parce que à ce jeu, quand on passe son tour, ça veut dire qu'on ne tire pas de crotte de nez. Donc du coup, forcément, on gagne. Un. Un. Vas-y. Une crotte de nez. La crotte de nez. À moi. Si on dit la deux. Crotte de nez, j'ai deux. Crotte de nez. Alors deux crottes de nez. Et c'est deux quatre. T'es éliminé! Elle avait seulement une sacrée crotte de nez! T'es éliminé!
je suis éliminée. Donc bon, bah alors moi je vais me retirer. Oui, je remets ma crotte de nez. Enfin, si on remet ta crotte de nez, tes crottes de nez. Non, parce que j'ai pas perdu. Et si, parce qu'on recommence à zéro. Parce que quand t'as éliminé, on recommence à zéro. Donc, oh, met... et toi tu joues pas. Bon, non, moi je joue pas. Donc on remet toutes les crottes de nez. Puis ça se passe entre Quentin et Oscar. Ah, j'ai oublié de remettre. J'ai oublié de remettre. Voilà. Le crâne à l'intérieur, enfin pas le crâne, le cerveau. Le cerveau. Voilà, ça se joue entre Corentin et Océane, donc c'est Océane qui va commencer, c'est la plus jeune. Donc moi les amis, je suis éliminée, je suis nulle, je ne gagne jamais au jeu avec eux. Donc Océane, eh ben rien du tout, donc moi je fais l'arbitre hein, tout simplement, vas-y Corentin. Tout ça pour faire un. Allez vas-y. Eh ben c'est moi qui vais gagner. Ouais, alors. Et si tu fais deux, bam, bam. Ah oui, oui, à oui. À toi. Tu vas faire deux. Et oui, t'as fait deux. Je suis intelligente. Alors, ça, les amis, vous demandez peut-être ce qu'elle a aussi à la main depuis tard. C'est la crotte de nez de rechange si on casse l'autre là qu'on rentre à l'intérieur. Deux. Donc, ça, c'est une de rechange. Elle sort pas pour le jeu. T'as deux oui. À Corentin. Paf, à toi. C'est tire, c'est moi j'aime bien ce carocrado parce qu'il va le mordre de chaque côté. Regardez, comme ça, regardez, il s'étire. Ouais, ça s'étire vachement, c'est du caoutchouc. Ah ouais. Deux, j'ai coincé mon doigt. On dirait du slime. J'ai coincé mon doigt dans. On dirait du slime. Oui, la Brigitte pour du slime quand même. Hein. Mais là, la couleur du slime. Oui. Ah, deux. Ah, un bleu. Elle a crade de nez. C'est un peu crado comme jeu quand même. Hein. Ouais, on dirait le Chris Naki. Oubla oh, on change de sens. On change de sens. Donc, ça veut dire que c'est encore à courant, ça. Oh, bon, d'accord. Vous voulez me faire perdre, mon abonnement. Ah, bah, un. Oh. Un. Ouh, attention, le loutier risque de tomber. Ah. Allez. Celle-là, voilà. Ouais. Ah, Océane, vas-y. Ah, tu joues pas. Oh, mais c'est vrai. À courant, hein. Oh, il fallait pas mettre la main. Hein, oh, mais il triche, il arrête le nez, il triche. Ah, ben tu joues pas. Ah, oh, bon, je pars. Oh, mieux, mieux, mieux. Ah, vas-y, pas là, un, vas-y. Oh, ça a rien changé. Ouais, à Corentin. Deux. Oh, deux, c'est beaucoup. Tu sais pour faire deux. Achou! Bah c'est l'hiver, hein, il est enrhumé Carlo Crado. Hein. Ouais, il a perdu! J'ai gagné! Et voilà, c'est ça qui a gagné. Bah ouais, bah bravo, Océane. Wow, elle a gagné, maman elle a perdu. On peut dire que Corentin est deuxième, donc tu as ni perdu ni gagné. Donc voilà, donc dites-nous dans les commentaires si vous avez du coup, jeu. Du coup, j'ai gagné, perdu. Ce jeu tout crado, trop rigolo, ça pourrait s'appeler Carlo Rigolo, hein, crado rigolo. C'est sympa parce que rigolo comme jeu, moi j'aime bien, c'est super facile. Et avec les enfants, on joue souvent. On se prend une douche. Ouais, quand t'as une douche à crampons, n'importe quoi. Ah, alors, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà. On nous regardait, on fait une partie et maintenant on continue. Donc, si. Et... Oh! Si cette vidéo vous a plu, les amis! Si cette vidéo vous a plu, les amis! Bah, 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 voilà! Vous a plu, les amis! N'oubliez pas de mettre un petit! Un petit pouce vers le haut! Je me sens bien seule là! Et n'oubliez pas de mettre un commentaire! Si c'est pas déjà fait! Si c'est pas ce que tu as fait, on dit quoi? Abonnez-vous. Et on entend dans la prochaine vidéo, on vous dit... Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. À plus tard. Ciao, ciao.